Bienvenue sur le site mescarnetsdevoyage.fr. Alors l'objet de ce tutoriel va être portera sur comment mettre des waypoints sur votre carte. Donc on a vu plusieurs étapes avant, c'était donc de charger des cartes offline pour que vous puissiez les utiliser sans connexion internet. On a vu également comment installer des waypoints ou des adresses un peu partout sur votre carte pour pouvoir les rejoindre ces points rapidement. Et donc on peut se poser la question par exemple de se dire bah tiens, il y a quelqu'un qui veut m'aider parce que je veux me donner une information, rejoindre un temple en particulier par exemple. Voilà, donc on peut lui demander par exemple de situer ce point sur la carte. Donc lui il va zoomer, vous dire bah voilà, c'est ici, le temple se trouve ici. Donc pour le garder en mémoire, c'est assez simple. Il va falloir soit avec le doigt ou avec le stylet, en fonction vous avez un iPhone, une tablette, bon là. Il se trouve pas la particularité, j'ai un stylet, donc j'en profite. Donc vous maintenez la pression sur la tablette pendant quelques secondes et on vous propose de créer un point. Donc voilà, create waypoints. Et donc là vous renseignez, donc là vous pouvez marquer par exemple temple. Voilà. Vous pouvez rajouter les coordonnées, etc. Donc en donnant le nom du temple et vous acceptez. Voilà. Et donc pour le coup, là, vous allez vous retrouver avec un waypoint qui est indiqué ici. Voilà. Après, il suffira donc d'activer le GPS et de vous localiser, puis après de faire le chemin pour vous y rendre. Voilà. Pour le coup, vous avez la possibilité aussi donc de créer des waypoints, c'est-à-dire que à l'occasion d'une situation particulière, je sais pas, vous êtes localisé sur un point, puis vous voyez quelque chose qui est notable. Bah tiens, la dernière fois, j'avais vu une épave d'A304 qui était ici, au niveau de l'école des pilotes de Vietnam Airlines, ce qui était très intéressant à signaler à vous, lecteurs de mon blog. Donc, bah, j'étais ici et j'ai fait créer un waypoint. Donc, j'appuie sur la punaise qui est ici, voilà, et j'ai créé mon waypoint, voilà, en lui donnant un nom, etc. Ce qui fait qu'après, bah, on le retrouve ici. Voilà, donc là, deux façons de créer Waypoint. Soit vous le faites ben, en anticipation parce que on vous dit c'est par là, donc vous créez sur votre carte avec votre doigt, votre stylet, le point à atteindre. Soit vous êtes sur un point, vous êtes localisé avec votre GPS et vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Et pour le coup, là, vous utilisez la petite punaise. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.mescarnetsdevoyage.fr. À bientôt.